너와나 우리의 그 세 글자 네 눈에 떠올라 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première erreur que je faisais en matière de garde-robe. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à consolider votre look. Je pourrais rester en pyjama sincèrement toute la journée, mais je préfère m'habiller même si je suis en télétravail. D'après une étude récente, il a été prouvé que le fait de rester en pyjama n'a aucune influence sur notre productivité. Alors même si je ne vois personne, je me soucie de mon apparence. Je le fais tout simplement pour moi-même, pour mon bien-être et aussi pour me mettre dans une bonne dynamique. J'aime beaucoup trop les oreillers, il faut vraiment que je m'arrête d'en acheter, sinon je vais me retrouver avec que ça dans ma garde-robe. Voici mes nouvelles chaussures, c'est le modèle Margot Marie-Jeanne de la marque Vivaya. Je pense mal prononcer le nom de la marque et pourtant je me suis entraînée. C'est la deuxième fois d'ailleurs que je collabore avec la marque Vivaya. La marque Vivaya se distingue par la fabrication de chaussures raffinées, durables et respectueuses de l'environnement. Alors on ne s'en rend pas compte en les voyant, mais sachez que toutes les paires sont fabriquées à partir de bouteilles en plastique provenant des déchets urbains et de l'océan. Je trouve que c'est beaucoup plus encourageant et ça donne un peu plus de sens à un achat qui contribue à la préservation de l'environnement. Du coup, je suis d'autant plus à l'aise avec ces chaussures. Sachez que pour un confort ultime, ils utilisent une technique en 3D qui permet de concevoir un design tricoté sans couture. Et c'est d'autant plus agréable, surtout lorsque l'on a tendance à avoir les pieds qui gonflent. C'est l'un de mes problèmes malheureusement. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi avec l'âge, je ne pourrais plus mettre autre chose que des vêtements et des chaussures dans lesquels je ne me sens pas à l'aise ou en confiance. Elles offrent un soutien très performant et une excellente capacité d'absorption des chocs lors de la marche. Habituellement, je ne porte pas du tout ce genre de modèle, mais j'avais envie de changer, tester autre chose. Et franchement, j'aime beaucoup. En fait, quand j'expérimente de nouvelles choses, j'évalue aussi comment cela va fonctionner avec ma garde-robe. Alors j'ai un code de réduction à vous partager, qui est Barbara12, et qui vous permettra d'avoir 12% de réduction sur le site Vivaya. Donc n'hésitez pas à en profiter, et puis je vous ai mis le lien en barre d'informations. Avant de commencer à vous parler de l'erreur vestimentaire que j'ai faite pendant plusieurs années, je vais me préparer un délicieux thé. J'ai appris que l'eau ne devait jamais être bouillante et pour obtenir une infusion de qualité, il est essentiel de choisir la température de l'eau en fonction du thé sélectionné.
D'après une étude que j'ai lue récemment, les femmes passeraient en moyenne pas moins de 17 minutes à chercher la tenue adéquate. Aujourd'hui, je peux vous dire que je ne prends pas plus de 5 minutes, mais cela n'a pas toujours été le cas. Tout est simplifié pour moi. J'aime pouvoir m'habiller aisément et simplement sans avoir à consacrer autant de temps et d'énergie. Alors, je vais aller droit au but, mais la faute que je commettais auparavant était de vouloir paraître à la mode. Je recherchais des idées de tenue qui ne correspondaient pas du tout à ma personnalité. Peu importe si nous ne suivons pas les tendances, le plus important, c'est que nous nous sentions bien dans nos vêtements. Je profite souvent d'être devant mon ordinateur pour me vernir les ongles. Je n'ai pas du tout la patience d'attendre que mon vernis sèche. Je suis toujours obligée de bouger, de toucher des trucs et je finis par abîmer mon vernis. Du coup, j'essaye de le rattraper, je rajoute une couche et au final, c'est pire, je dois tout recommencer. Sur le site Vivaya, j'ai pu sélectionner deux autres paires dans leur collection actuelle. Alors je vous montre mon autre coup de cœur, c'est le modèle Jackie. Le modèle est également disponible en noir, mais j'ai choisi les coloris bleu marine et beige. Et l'avantage, c'est que ces chaussures sont dotées d'une semelle intérieure anti-pression qui offre un soutien supplémentaire à la voûte plantaire. Non, franchement, je vous le dis, on y est vraiment très bien dedans. Le petit plus, c'est qu'il est possible de laver de nombreux modèles en machine, ce qui est bien pratique, surtout pour les modèles clairs comme celui-ci. Se prendre en photo soi-même peut s'avérer être un véritable défi. Je suis constamment en train de faire des allers-retours. Retirer la poussière qui, on ne le sait pas pourquoi, est encore plus apparente en vidéo. Et puis, le background n'est pas forcément celui que j'aurais préféré, mais on fait avec les moyens du bord. Alors je vais vous montrer l'un de mes jeans préférés. C'est un mom, mais je préfère toujours les coupes fit beaucoup plus ajustées. Je suis parfaitement à l'aise dans ce jean, tout comme ce pull d'ailleurs en cachemire. C'est l'un, voire même mon pull favori car il s'accorde avec presque toutes mes tenues et il me tient vraiment chaud. Un jean associé à un pull est l'un de mes looks signature préférés.
Je vais me préparer pour sortir. Alors là, c'est un look un peu plus formel. L'avantage du monochrome, c'est que vous pouvez créer un look facilement et en plus, vous allez gagner du temps. Je vais mettre cet ensemble avec les mocassins bleu marine. Alors le modèle, comme vous pouvez le voir, a un bout spacieux et en plus les lacets permettent d'ajuster de manière optimale la chaussure, ce qui la rend beaucoup plus adaptée à toutes les formes de pieds. Alors j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre votre vision et ce qui est important pour vous. Je vous laisse, j'ai rendez-vous. Je vous rappelle qu'il y a le lien du site Vivaya en barre d'informations ainsi que mon code promotionnel. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.